Oh, ma da poca pichita va bene. Si tu la parla mi è americano. Quando sa fa l'amore sotto luna. En fait, beaucoup d'auteurs et beaucoup d'auteurs américains, plutôt ultra-libéral, on va dire, vous expliquent que monter son entreprise, c'est la liberté, hein, et puis par opposition, bien entendu, à la sécurité recherchée par le salarié. Quelle fumisterie! C'est une grande fumisterie. Je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a de plus insécure aujourd'hui que d'être salarié. Vous démarrez votre carrière en faisant des stages, en vous demandant quand est-ce que vous allez enfin trouver un emploi payé. Puis après, vous allez peut-être, au bout de quelques années, trouver un CDD. Et puis peut-être, vous allez vous angoisser en vous disant pourvu que ça se transforme en CDI. Et puis après, pourvu que je ne sois pas viré. Enfin, c'est un truc, c'est infernal. En termes d'insécurité, être salarié, aujourd'hui, je trouve ça absolument, un enfer. C'est un enfer en permanence. Puis n'en parlons pas. Quand vous commencez à atteindre les 45, 50 ans, j'en suis loin, certes, mais... Quand vous atteignez un certain âge, vous vous dites, ça y est, déjà, ma carrière, elle est finie. On va commencer à me dire, je suis un senior. On va me proposer des programmes pour les seniors. Enfin, c'est insupportable. Il n'y a pas de sécurité quand on est salarié. Pas plus qu'il y a de liberté quand on est entrepreneur. On n'est pas plus libre. Oui, on est libre, comme vous le disiez tout à l'heure. On est libre de travailler 18 heures par jour, 7 jours sur 7, pendant des années. Souvent d'être moins bien payé que ses propres employés. Mais il n'y a pas de liberté. Il y a plein d'autres choses formidables, par contre, hein, mais pas de liberté. Donc si un jour, vous dites, je vais monter mon entreprise parce que j'ai envie d'être libre, laissez tomber. C'est autre chose. C'est mon conseil, si je puis me le permettre.